au Cameroun, mais sans de nos ancêtres. Va debout et jaloux des calinettes, comme un soleil sur sa peau, bien de terre. Un seul blanc dans le foie et d'une. We were right in doing so. Today, the public prosecutor has admitted we are only Cameroonians, mothers, brothers, sisters, children, free. C'est une situation qu'on a déjà observée dans des procédures précédentes, y compris devant le tribunal militaire. Donc, dans ce cas-là, le procureur général près de la cour d'appel du ressort, dans le cas d'espèce, c'est le procureur général près de la cour d'appel de l'Ouest, qui peut, sur autorisation écrite du ministre en charge de la justice, demander l'arrêt des poursuites devant la juridiction devant laquelle les prévenus sont poursuivis. Le procureur général qui est en charge de lire ces réquisitions, a émaillé ces réquisitions d'insultes même aux Camerounais. Et ce n'est pas tolérable. Il a traité nos militants de Che Guevara, de Vatanguerre, d'imposteurs et d'autres mots. Ce n'est pas logique. Quand on insulte les gens, quand on les relaxe après, on arrête les poursuites. Je pense que dans cette procédure-là, lorsque on arrête les poursuites, on les arrête sans aucun commentaire. Nous estimons que ces commentaires étaient inappropriés et c'est pour ça qu'il est tenu à prendre la parole devant le juge pour dire que nous avons été insultés par le procureur général. Et c'est intolérable. Je pense que nous ferons ce qu'il faudra le faire pour laver nos honneurs. Ce n'est pas devant ce tribunal, notre honneur sera lavé ailleurs. Nous le ferons, je le promets à nos militants. On était prêts pour demain. Viens la voiture, avec les avocats. Avec les avocats. Au Cameroun, personne de nos ancêtres. Va debout et jaloux des calinettes. Comme un soleil sur sa peau, bien de terre. Un seul blanc dans le foie.